Puisqu'on vient de parler de statue de la liberté, de temps en temps, je rende visite au temple de Mitra, qu'il soit en France ou en Allemagne ou n'importe où en Europe. Temple de Mitra, je rends visite aussi à la statue de la liberté. Je garde ma voiture et je descends au pied de la statue de la liberté. Alors cette semaine, j'étais là-bas et j'ai commencé à parler avec mes amis, deux, trois personnes qui étaient avec moi et ma famille, de notre radio. Vous savez, dans les années 1990, exactement c'était 1996, une chose qui est même jusqu'avant-hier, 2021, c'est-à-dire après 25 ans. Moi, j'étais étonné. Comment il a fait ça? À l'époque, on a voulu diffuser la radio ici maintenant, à partir de la statue de la liberté en bas. Vous voyez où est-ce qu'il est ici? Et notre bureau, c'était tour de Seine, peut-être 1 kilomètre. Alors, Didier Doplège, notre président, je ne sais pas comment, c'était un miracle. Puisqu'aujourd'hui, après 25 ans, quand je pense, quand je réfléchis, je vois ça, c'était impossible. À l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi, mes chers amis. Si c'était Wi-Fi existait, ça facilitait le tâche. Il n'y avait pas de Wi-Fi, tout marchait avec les fils. Alors Didier Doplège, il a acheté plusieurs centaines de mètres de câbles et de la tour de Seine. Je ne sais pas comment il a ramené les câbles jusque les statues de la liberté. Et on a diffusé nos émissions à partir de cet endroit-là. C'est énorme ça. C'est énorme quand je réfléchis maintenant. Comment il a fait Didier? C'était énorme. Un jour lui-même, il va vous donner des explications. C'est des miracles. C'est du travail. C'est faisable. C'est faisable, mais c'est lui qui l'a fait. Comment? Voilà. Et on a diffusé pendant quelques jours à partir de la statue de la liberté. À l'époque, j'avais mes gardes de cœur de ministère avec une voiture blindée, les officiers de ministère de l'Intérieur qui me gardaient la protection rapprochée. Alors, on rentre à la radio, il faut aller là-bas. Ah bon? Alors, les officiers, ils ont dit, là-bas, c'est difficile, on ne peut pas protéger David là-bas. Mais pourtant, on est allé là-bas, on a fait notre émission là-bas, au pied, et quand il y avait un bateau qui passait, il me couvrait avec les serviettes par balles qu'ils avaient avec eux. C'était une soirée folle.